Père, les héros ne suffisent pas. La statue d'Athéna est seule. Elle a toujours été là pour les héros, alors ils devraient la soutenir. Écoute-moi, fais-moi confiance, laisse-moi te guider. Écoute, Zeus, plutôt que de m'interrompre. Aie confiance en mon jugement.
Ébahi, Phénix comprit que l'essence d'Athéna avait été altérée par Typhon. Le visage aux cheveux reptiliens de son égide avait pris vie. Héphaïstos n'est pas digne de profiter de mon rayonnement, et encore moins de me toucher.
J'avais Arès en tête. Quel idiot. Il faut montrer la voie aux mortels. Ma voie. Plus que deux héros. Ton père et ta mère voulaient ce qu'il y a de mieux pour toi. Une vie simple de paysanne à la tête d'une famille. À la place, tu mourras sur cette île, perdue dans ta solitude. Non !
Écoute-moi. Tu sais que j'ai raison. Statue de héros. Athéna devrait être entourée des quatre héros. Tu ne veux pas aider ton frère? Tu veux prendre sa place? C'est indigne d'une héroïne. Tu as peut-être raison.
Aurais-je commis une erreur? Non. Ce sont les autres qui se trompent. Au combat! Grâce à ma stratégie, tu es invincible. Nous sommes là pour toi, Athéna. Tu n'as pas à rester seule. Ensemble, nous allons vaincre Typhon. Tu n'as aucune chance face aux ténèbres. Tu as raison. Seule, je ne réussirai pas. Mais tous ensemble, nous nous soutiendrons.
Tu l'as ? Mon... naissance. Comme nous l'avions prévu. Tu es prête ? Je... je crois. Sage Athéna, dieux et mortels œuvreront de concert. Sous ton commandement, bienveillant et avisé. Phénix, j'ai retrouvé ma forme. Mais franchement, tu en as mis du temps. Tu aurais pu te dépêcher. Et sache que les ailes que tu portes sont dangereuses. Toutes les créations de Dédale sont mal conçues, bâclées. Et d'ailleurs, à propos de mal conçues et bâclées, toi, Hermès... Et c'est reparti. Elle a toujours quelque chose à dire. Waouh, Athéna, contente de te revoir, mais... voilà quoi. Oui. Il est peut-être temps de me montrer plus... judicieuse dans mes jugements. Tu sais, je t'admire vraiment. Tu es mordante, mais tu es sage aussi. La plupart du temps. Merci, Phénix. Nous allons établir ensemble un plan réfléchi. Mais... on pourra quand même taper sur Typhon, n'est-ce pas ? Phénix avait appris qu'être critique, intransigeant, voire entêté, n'était pas toujours un défaut. Cela peut apporter l'assurance requise pour rejeter un mauvais conseil. J'aurais peut-être dû écouter Athéna plus souvent, au lieu de vouloir tout le temps avoir raison. Peut-être le grand Zeus est-il faillible finalement ? Oui, mais non. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mes jugements sont parfaits. Tu m'as enchaîné à un rocher. Un aigle vient tous les jours me dévorer le foie. Oui, je sais. Si tu cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi.